Une cycliste a roulé 10 km par heure durant 4 heures et 24 minutes. Question, combien de kilomètres a-t-elle parcouru? Nous savons qu'une heure contient 60 minutes et par conséquent 4 heures contiennent 4 fois 60 minutes, c'est-à-dire 240 minutes, dont nous déduisons que dans 4 heures et 24 minutes, il y a 240 minutes plus ces 24 minutes, c'est-à-dire 264 minutes. La vitesse de la cycliste est de 10 km par heure, ce qui signifie 10 km en une heure. Une heure peut être remplacée par 60 minutes. Ainsi, nous avons comme vitesse 10 km par 60 minutes. Fraction qu'on peut également écrire comme ceci. Donc, la cycliste parcourt un sixième de kilomètre en une minute. En multipliant en haut et en bas par 264, nous obtenons comme vitesse cette fraction-là. Et 264 fois un sixième, c'est 264 divisé par 6, c'est-à-dire 44. Donc, la cycliste parcourt 44 km en 264 minutes. La réponse finale à la question posée, c'est donc 44. Et par conséquent, c'est le D, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.